Voyez, elles sont plus là. Volatilisées. Régin, regarde. J'en ai trouvé une. Oh, oh mon Dieu. C'est Malgaff. Mais qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Unité 19-3, des passants ont entendu des cris à la cour à scrap. Pouvez-vous aller jeter un coup d'œil? Attendez, 10-4. Je suis désolé, mon petit monsieur, là, mais on va devoir y aller. On a une urgence. Mettez ça dans un gros ziploc au congélateur et sortez surtout pas de la maison d'ici notre tour. Let's go, Jimmy. On fait le tour vite, puis après on va manger. Ben, tu sais quoi? Pendant que tu fouilles la cour à scrap, je vais aller te chercher une belle grosse boîte de beignes. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Essaye pas de me prendre par les sentiments, Jimmy. Let's go, partner. On l'arrête, puis après on va manger. J'aimerais bien mettre la main sur le gardien. Il pourrait nous éclairer sur ce qui se passe ici. Et ça, je pense que j'ai mis le pied dessus. As-tu mis quelque chose? Non. Mais le petit comique qui a fait ça n'est pas très loin. Suis-moi, Jimmy. Il est juste derrière ce vieux camion. À trois, tu passes par derrière, moi par devant, puis on le coince. Non. À trois, tu passes par devant, puis moi, je suis ton gros derrière. OK? OK. Attention. Un, deux, trois. Police, rendez-vous! Vous êtes cernés! Victoire! Nous les avons capturés! Attendez, commandant. Vous vous trompez? Ces deux policiers. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes qui, vous? Messieurs, je me présente, commandant Pichette, et voici mon fidèle copilote. Nous avons été mandatés par l'armée canadienne afin de neutraliser une terrible menace qui pèse sur l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'allez pas capturer ces enfoirés? Négatif, mon général. Ce sont juste deux policiers. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe ici? Malheureusement, nous ne pouvons révéler aucun détail sur cette mission top secrète à propos des créatures venues de l'espace. Des créatures venues de l'espace? Ah, ben bravo, commandant. Très fort. Très, très fort. Non, mais quel con! Bon, de toute façon, on peut bien vous...